Hello tout le monde, alors je vous fais une petite vidéo comme ça, juste avant la vraie vidéo, parce que... What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, c'est normal. Doge passe en l'espace de 4 jours d'une valuation à 7 centimes par token, qui est à mon avis déjà assez énorme, à 32 centimes. Je crois qu'on a même atteint les... On a dû atteindre les... Ouais, on a atteint les 34 centimes. Alors là, je me dis qu'on est quand même sur quelque chose d'un peu topi. Et que, bon, dans tous les cas, c'est pas le moment d'acheter. Mais tout de même. Donc, Doge, contre le BTC, pour la petite histoire, à l'époque, moi je m'étais dit. Et. Bon, c'est extrait de ça il y a quelques jours, donc vraiment. je voyais pas du tout ça arriver. Mais si on regarde déjà les choses d'une manière historique. Doge, le range. Il est dans un gigantesque range depuis. Depuis en fait son inception, donc depuis des années, donc depuis 2014 jusque 2021, donc ça fait quand même 7 ans de range, c'est énorme. En fait, il avait une cyclicalité. Voilà, ça c'est une chose. On s'est extrait du range, on y est resté plus d'une semaine, et dans ma tête, je m'étais dit peut-être qu'on entre dans un nouveau cycle. Je vous en ai parlé dans une vidéo, je pense. Je suis sûr que j'en ai parlé, mais laquelle je ne saurais plus dire. Et je m'étais dit, Doge, on est entre deux niveaux. C'est-à-dire que, enfin, on est près d'un point pivot où je me dis, ok, soit on retourne dans le range, et, donc c'est mort, on va probablement retourner au moins vers 50 sats, voire peut-être voir les 20 sats. Mais si on arrive à s'extraire, en fait, on arrive peut-être sur un nouveau cycle sur Doge, dans le sens où. Alors, je ne pensais pas qu'on partirait en gros bull run comme ça. Juste assez incroyable, mais j'étais davantage parti dans l'idée qu'on allait éventuellement faire un deuxième range et que Doge aurait du coup une cyclicalité identique, mais dans un range qui se situerait entre 200 sats et 100 sats. Donc ça fait un range de l'ordre de 100%, ce qui reste pas mal. Alors ça fait moins que les 500% qu'on avait ici. Sauf que non, pas du tout. Donc il a fait sa petite base et il est parti en gigantesque run. Et là, il se situe à 550 sats. Donc il a fait 500% ces derniers jours. Aussi, Dogecoin, je crois qu'il a dû faire des millionnaires. Parce que si vous avez 1000 balles sur Doge, vous avez fait 1000 balles sur Doge, vous aviez du coup 10 100, vous avez 100 000 balles, normalement. Il faudrait que je vérifie ça, il faudrait que je vérifie mes calculs, mais oui, il a dû faire 1 x 100 en l'espace de quelques mois. Donc si on regarde, je sais même pas c'est quel ce que c'est que cet échange. Je vais regarder simplement sur Binance. Mais si vous aviez acheté en fait en décembre 2020, que vous aviez gardé, vous avez surperformé le marché et tous les traders. Et en fait vous avez fait un 10 000%, donc vous avez fait un 100% là-dessus. Et si vous aviez mis juste 1000 balles, vous vous retrouvez maintenant avec 100 000. Donc imaginez pour les gens qui avaient simplement 10 000 balles de Doge, voilà, ils sont millionnaires. Qui a été assez, comment on dit en anglais, qui a eu la main assez forte pour holder tout ça alors que bon, il avait déjà fait plus de 3 000%, ben, je ne sais pas, mais je trouve ça assez exceptionnel. Et du coup, bon, je vais uploader cette petite vidéo de 3 minutes, 4 minutes, et je vous fais l'analyse juste après. C'était le cryptographe, en vous souhaitant à tout de suite en fait, en vous souhaitant rien du tout. Tchuss!